Salut tout le monde et bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Ce soir, je vais commencer par la mission dite la fin du port. Donc, ça sera l'assaut du château du port pour en finir avec lui. On va sûrement se casser les dents. La dernière fois, je me suis cassé les dents en essayant, ce qui m'a fait un petit peu rage-quitte, pour l'avouer. Donc là, je vais essayer de prendre ma revanche et de réussir comme il faut. Et s'il faut prendre le temps, ben on prendra le temps. Voilà, on est parti du coup pour la mission 18. 18e mission, fin du port. Le peuple du comté voisin est au bord de la révolte. Il ne supporte plus d'être écrasé par les impôts du port. C'est le moment de venger la mort de Lord Woolzack. Si vous remportez cette bataille, c'est que la chance a véritablement commencé à tourner. Vous êtes chargé de vaincre le dernier comté du port en assiégeant son fort. Vous avez déjà assiégé son château auparavant, mais il a été reconstruit depuis et abrite maintenant une garnison au grand complet. La tâche sera donc bien plus difficile. Nous ne pourrons sûrement pas nous contenter d'utiliser le bélier comme lors de la dernière invasion. Construisez des beffrois pour escalader ces murs d'enceinte. Ouais, donc les beffrois, ça va être une des clés aussi pour réussir à prendre son château. Au cours de cette mission, vous devrez utiliser les différentes pièces d'artillerie de siège pour prendre le château d'assaut. Bélier, beffroi et tonnelier joueront tous un rôle déterminant. Utilisez les beffrois pour permettre à un grand nombre de vos hommes de monter rapidement sur un mur d'enceinte. Ouais, déjà là on a des pierres pour démarrer, c'est un petit peu relou ça. Où allons-nous? Quoi? Bon là on a pas mal de massy, tu me Oui, diras, on en a patron. 241. Donc là on a tous nos tireurs, on a 26 arbalétriers et 32 archers, on va se replacer là comme ça. D'ailleurs je vois juste mon armée. Là je vais... Message du poulet, je vais couper les ailes. Bon, là le port on va commencer par envoyer tous ces massifs. En vrai j'ai envie de passer par là. Hein. Et je voudrais utiliser cette colline pour m'aider à attirer le plus de tireurs possible et de dégager ces arbas quoi. En plus ils ont le malus de avec le bonheur là. Enfin le facteur de la peur pardon. Donc ça pourrait être un truc à jouer dessus quoi. Regarde, hop. On va le laisser venir faire revenir tous ces massiers. Comme ça au moins on sera tranquille. Donc en défense il restera archer, arbalétrier. Et quelques artilleries de siège. Allez. On voit tout le grand. C'est parti pour le show. Allez. Bon. Normalement, les derniers massiers sont sortis après les deux là. Voilà. Je pense que je sais faire plusieurs soldats intermédiaires. Message de Sire Longarme. Notre marche continue et nous avons reconquis un comté de plus. Excellent. Donc, je vais tout de suite enregistrer. Mission 18. Je vais tout de suite enregistrer à partir de ce point. Sauvegarde. Ok, maintenant, oui, je vais servir des archers, je vais essayer de gravir sur cette colline-là, essayer d'attirer quelques tireurs, essayer d'en shooter quelques-uns avec le tir à longue portée, là, Précis. Le tir de zone. En avant, marche. Mon arc est à votre service. À vos rangs. Oh, pas de marche. Monseigneur. Alors déjà, on va regarder jusqu'où on peut tirer. Donc, avec les archers, là, on peut tirer loin. Instruction. Sortez les flèches! Hop, on est parti, on va voir si ça touche. Non. Pas encore. À vos ordres. Nous arrivons. Top. Sortez les flèches! On
pas encore, on n'y est pas encore, hein. Oui. Départ. Archer prêt à tirer. Sortez les flèches. Sortez les flèches. On va voir si ça peut toucher. Non, on ne touche pas encore. Mon arc est à votre service. Top. Monseigneur. Top. Instruction. Ça peut jouer au micropixel, hein, des fois. Sortez les flèches. Alors, on va voir si ça touche là maintenant. Ça touche le mur déjà, donc c'est bon signe, on va dire. Ah, j'entends un petit bruit. Oui. Je sens que l'assaut va être bon. Prêt à tirer. Mon arc est à votre service. Ah bah il y a un bouffon qui s'est fait dégommer. L'archer là, il nous pose un peu de soucis. Sortez les flèches. J'essaie de provoquer les arbalétriers. Si on veut réussir cet assaut, ça mettra peut-être un poil plus de temps. Top. À vos ordres. Sortez les flèches. Allez. Ah, ça touche un. Voilà, ça en touche. Donc là, on va essayer de nettoyer le plus de tireurs possible dans ce secteur pour limiter les tirs, quoi. Et après, si on peut essayer de passer par le côté pour voir comment ils réagissent. Oui. Ah, il y en a un autre qui va canner. Ouais, bien. Archer, prêt. Très bien joué ça. Sur 3 arbalétriers de main, vu que ça crache pas dessus. Sortez les flèches. Cela on les touchera plus mon pour l'instant. Votre service. Je vais tenter de toucher. Sortez par les là. Flèches. L'archer il prend cher. Comme ça c'est un brasier en moins qui sera dangereux pour nos hommes. Hop, un autre archer qui casse, c'est toujours bien. Sortez les flèches. Attends, on va essayer de provoquer pour toucher le plus de tireurs possible. Ok. Instruction. On se calme. Mouvement. Top. À vos ordres. Alors je fais ça exprès tout simplement. Monseigneur, vous manquez de technologie de tir. Bonsoir, bonne année au passage. Là je fais ça pour essayer d'économiser le plus de troupes possible parce que je sais que les arbitrés ça va me faire très mal. Donc là on va essayer d'en tuer le plus possible avec ça. En voilà un de moins. Oui. Voilà, l'archer là il va tomber. Hop. Là, on peut toucher plusieurs arbalétriers, donc ça c'est bien, on va essayer d'en nettoyer plus. Moins on aura d'arbalétriers qui nous tirent dessus, mieux c'est ça. Je vais essayer d'ignorer ce côté-là, tout simplement, parce que mon assaut va se passer majoritairement de ce côté ici. Donc j'ai toujours envie de te dire, ces arbalétriers-là en moins, ça serait bien. Ça demandera de la patience, mais on peut y arriver. Hein.
Allez, encore un qui tombe. Un deuxième encore. Putain, on pourrait peut-être nettoyer tout le corps de garde principal sans rire. Encore un. Archer prêt à tirer. Tu peux tirer jusqu'au bout. Voilà, pour le moment il tire plus. Ok. On va ralentir le tir. Mon arc est à votre service. On va arrêter. Monseigneur. Instruction. Top. On est prudent, hein. Certains diront trop, mais... Oula. À vos ordres. Quelque chose à tirer, j'ai pas vu. Ah, les arbres... Ah, mais ils sont déplacés. On a perdu quelques archers dans la manœuvre, mais c'est pas dramatique. Oui. Archer, par contre, s'ils peuvent nous tirer dessus, logiquement, on peut nous aussi, non? Ok, on peut pas. D'accord. Monseigneur. Pas grave. Nous arrivons. Départ. Alors, eux, ils peuvent, mais pas nous. L'IA se déplace, c'est grave. Ouais, je sais, j'ai pas oublié ça. Instruction. Mouvement. Top. Oh, nous on se dégage. Comme ça, là, c'est bien. Eux, ils vont se déplacer, on pourra les attirer. Parfait. Donc là, on en a encore à tirer. Eh, là, on pourra en choper deux, là. Départ. En vrai, j'ai envie de... Si j'arrive à cliner au maximum cette tour-là et ce côté-là, derrière, je me mets bien. Sortez les flèches! À vos ordres. Non, donc là, on touche pas pour l'instant. Mouvement. Top. Oui. Sortez les flèches. Ok, pour le moment ça touche pas. C'est les effets secondaires à V4, voilà. Ouais, on va dire ça. Archer prêt à tirer. Nous arrivons. Top. Sortez les flèches. Voilà, là ça va toucher. Je me demande si depuis les collines on peut pas toucher, mais j'ai un doute. Hein. Mon arc est à votre service. Flèche prête. Monseigneur. Non, il ne touche pas. Instruction. Sortez les flèches. Ah. À vos ordres. Oui. Au moment, ça donne pas grand chose. Départ. Top. Mouvement. Ok, on s'est bien reculé au bon moment. Il y a ma sauve, ma chou au niveau de la mode, heureusement j'en ai une d'urgence. Ah, ça c'est bien ça. Ok. Dégagez, dégagez. Que t'as votre service. Mouvement. Nous arrivons. Sortez les flèches. Allez. Allez. Monseigneur. Si on avait tombé deux de plus là, ce serait bien.
Allez. Un. Allez, le deuxième là, comme ça on est sûr. Bien joué. Très bon travail ici. Là j'essaie d'abattre celui-là. À vos ordres. Oui. Impossible de le viser, sire. Oh, il touche bien le groupe là, même s'il tire pas tous. Ça va être chiant ce groupe là. Si on arrive à... Ce que j'aimerais pour l'assaut sur ce côté là, c'est au moins éliminer ces 4 là. Comme ça, je serai plus embêté avec les faux sabrés. Si je peux mettre le maximum d'archers, bah alors là, c'est gagné. Ok. Archer prêt. Alors, je vais tenter un move. Je vais essayer d'appâter les derniers arbas. Départ. Allez, venez approcher, approcher. Petit, 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 petit. Petit, 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 petit. Ah, il bouge. Comme ça, là, on sera sûr. Avec cette tour-là en moins. Ouf. Oh, vraiment. Nous arrivons. Vraiment, le pauvre. Bon, au moins, on les a tous attirés. Ça, c'est le plus important. J'ai perdu un archer dans la manœuvre, ça va. On peut être pire. Départ. Mouvement. Impossible de le viser, sire. Nous arrivons. Top. Non, on n'est pas encore à portée ici. Instruction. Départ. Top. Sortez les flèches! À vos ordres. Encochez les flèches. Je vais celui du milieu, comme ça, ça touchera un peu les deux autres. Ouais, j'espère. Ouais, regardez, ça marche. Alors, ouais, ça va mettre du temps, mais au moins, ça nous évitera des mauvaises surprises quand on voudra faire traverser toutes nos troupes, là. Surtout les massiers. Par contre, pour ces archers-là, je vais essayer de les affecter ici. Pour dégommer cela, et là je sais qu'ils ont pas de brasier, donc en vrai si on fait pas n'importe quoi là, on peut éliminer quasiment tout le secteur là. Par contre là ça va être horrible hein, pour passer avec les passe aux arbas. Oui, mouvement. Hop. Recherche de cible en position avant de tirer. Archer prêt à tirer. Flèche prête. Au moins tu fais un vrai save. Ouais, j'essaye. Même si ça mettra du temps, mais tant pis. Hein. Est-ce que j'aurai le temps de faire la souffle contre le loup? Ça va être un autre problème. En vrai, si... il y en a beaucoup, j'ai vu sur la nouvelle version, ils assaillent de ce côté-là. Alors, j'avoue, je comprends pas trop parce qu'il y a beaucoup d'archers. Bon, là, les arbas, à la limite, tu t'en fiches. Je sais qu'il y a de la braie à gogo ici, il y a des pieux. Ah, il y a plus de tireur là, c'est bien. À votre service. Encochez les flèches. Massacrez-moi tout ça. Monseigneur. Recherche de cible. Et là, si on peut pas passer un de ces deux-là, bah alors là on est tranquille. Hein. C'est dommage que Lian ne décale pas ses arbalétriers, ça aurait été plus drôle comme ça. Oh.
Ok, un autre arbaliste qui est en nom, on va essayer de miser celui-là. Avant de tirer. Là, tu peux pas le toucher. Bon, là, ça va être mort. Alors, j'ai fait un truc une fois avec les... première tentative avec les tunneliers. J'ai tenté qu'ils aillent, qu'ils passent par la douve, mais finalement, ils ont passé par sous la falaise. Ils ont creusé un mur comme ça. Voilà, bien joué. Un autre arbre au moins, c'est toujours ça. Et... impossible de le viser, sire. Ok. Alors là, je vais tout de suite faire une nouvelle sauvegarde. C'est pour avoir clean la majeure partie des... Oula, qu'est-ce qui me tire dessus là? Vraiment? Départ. Attends, j'ai pas encore utilisé mes arbres. Hein. Archer prêt à tirer. Mouvement. Alors comment ça se passe ici? Nous arrivons. Oula. Mon arc est à votre service. J'ai cru qu'il pouvait tirer d'où on était. Monseigneur. Impossible de le viser, sire. Sortez les on va flèches essayer comme ça. Instruction. Départ. Top. Sortez les flèches. Si on zigouille déjà ici les archers, on peut se mettre bien. À vos ordres. Sortez les flèches. Ah, ça touche. Regardez. Tiens, le sac de Saint-Jordan qui avait duré de 2 ans, donc c'est faux ce château, ouais bah. Oui. Un de moins, ça l'est. Archer prêt à tirer. Si on élimine le tireur là. Sortez les flèches! Mon arc est à votre service. Impossible de le viser, sire. Non, ça ne marchera pas. Et comme ça, admettons. Sortez les flèches! Si je peux éliminer ces deux là. Ah, ça touche. Alors, ce que j'ai peur pour quand je comble les douves, c'est le nombre d'arbalétriers là. Les deux tours là, ça va aller vite. Et j'ai peut-être une idée pour éviter de foutre le feu complètement au château. Et là, je pense qu'une fois que je vais reboucher les douves, je vais essayer de mettre un beffroi ici. J'enverrai tous les massiers, une partie des massiers ici pour nettoyer au maximum. Bien. Monseigneur. Il ne reste plus qu'un liquidé là et ça serait parfait. Les flèches. Instruction. Sortez les flèches. Bien. Bien joué. Là, plus vite que ça. On vient de se faciliter pas mal de choses. Écrasé. Ça c'est voulu. Sauvegarde. À vos ordres. Mouvement. Sire, marche rapide. Hein? Quoi? Si loin? Oui, c'est loin. Toujours prêt. Courez, courez, courez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, il va nous rester à s'occuper de cette tour ici. Et de cette tour là. Bon, ils ont pas de bras zéro. C'est un avantage. Nous sommes spécialistes de la massue. Vous avez besoin. Bougez-vous, canaille. Attends, on va bouger tout de suite tous nos instructeurs, toutes nos troupes là. Maintenant, oui. Le plus drôle arrive. Impossible de le viser, sire. Ah, le plus drôle. Avez compris. Archer prêt à tirer. Départ. Aïe. Nous arrivons. J'ai perdu quelques archers avec les fosses à pieux. Départ. Non. Mouvement. Sortez les flèches. Portez armes. Là, on n'est pas emmerdé de ce côté-là, comme vous pouvez le voir. En avant, marche. Oh, pas de marche.
marche rapide. On essaie de viser là. Bien, le mongo non moins, c'est toujours utile. Sortez les flèches! Plus vite que ça! Tire! Impossible de tirer! Impossible de tirer! Impossible de tirer! Impossible de tirer. Je peux peut-être tenter un tir en diagonale comme ça avec les arbres. Non. Non, l'angle de tir n'est pas le bon ici. Je vais reculer un peu mes hommes sagement. En avant, marche. Attention. Oh, pas de marche. Ok, ils sont déplacés certains, c'est cool. Marche rapide. En avant, marche. Impossible de tirer. Mon arc est à votre service. Top. Oh, top. Pas de marche. Impossible de tirer. Oh, joli. Impossible de tirer. Impossible. Ok, on a le truc pour les attirer maintenant. Bien joué. Marche, on avance, rapide. On va essayer de continuer de les appâter. Oh en putain, avant, les pieux. Oh, j'ai fait le marche. Con pour les pieux encore. Marche, rapide. Impossible de tirer. Faut-il creuser les allons, non, 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 mais je vais pas les d'abord, c'est impossible. Oh. Portez arme. Impossible de tirer. Bien joué. Impossible de tirer. Il y en a encore un qui emmerde le monde. Oh, pas de marche. Marche rapide. Ah. Oh, pas de marche, non, canaille. Non, monseigneur. Mais pourquoi? En avant, marche. Oh, c'est chiant ça. Oh, pas de marche. Recharge. Bien. Lui, c'est éliminé aussi. Marche rapide. Maintenant, il faut essayer de zigouiller ceux-là, mais bon. Feu. Ah, ils sont touchés quand même, hein. Ah. Allez, deux arbres en moins, peut-être un troisième. Bravo. En vrai, les arbres électriques, les arbres électriques, les albardiers, on peut les ignorer. Ça y est, parfait. Écrasé. Donc on va arrêter le tir. En avant, marche. Non, 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 non. Oh. Oh, pas on va marche. Rester avec nos tireurs. Dites-nous. Les lanciers, ça va être eux qui vont crombler le plus de douves possible. C'est loin. Donc là, la seule possibilité qui va poser problème, c'est ce pack d'arbalétriers ici. Les autres n'auront pas à la portée. Faudra surveiller les archers du corps de garde, bien sûr. Ils ont bougé. Portez armes. Prêt, sire. Marche rapide. Donc peut-être tenter d'en shooter quelques-uns, non? Feu.
D'accord, ok. Vous pouvez compter sur nous. Allons-y. Où allons-nous? Où est Marcel? Oui, mon sœur. On va essayer de bonger comme ça pour limiter la casse. Bon, là on a beaucoup de... Oh la vache! Oh! C'est à quelle profondeur? Toujours prêt. Les douves? Attention. Oui, mon seigneur. Attention. Bon, là, c'est normal. Hein. Je l'ai fait exprès pour les lancer. Stop. En avant, marche. Top. Plus vite que ça. Feu. Oh, pas de marche. Impossible de tirer. Feu. Bon, on va tenter comme ça. C'est d'avancer un poil mis à bas. Ça touche. À vos rangs. Top. Attendez. Instruction, nous arrivons. Attention, c'est comme s'il était mort. Ouais. Non, là ça pue son... En avant, marche! Impossible de tirer! Feu! Massacre au pieu 2024, sortie de... C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-nous ce que nous devons faire! En vos ordres! Portez... Ah! Vous pouvez combler. Là, on va tenter de combler. Toujours prêt. Très sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, oh, pas de marche. Et on a encore perdu deux archers, putain. Feu. Je vais essayer de les zigouiller comme ça. Attention. Plus vite que ça. Impossible de tirer. Impossible de tirer. Impossible de tirer. Impossible de tirer. Ok. Ça sert à rien, quoi. Dites-nous ce que nous devons faire. Non, on a envoyé 120 et c'est vite comblé par ce côté. C'est à quelle profondeur? Les douves, vous pouvez comprendre toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-nous ce que nous devons faire. Il me reste encore combien de lancers, là? Il me reste 246. Ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à quelle profondeur? Enfin, oui, on casse plus mes lancers que mes massifs, parce que ce sont eux qui vont être les clés. Dites-nous ce que nous devons faire. On va être trompé. Continuez, c'est bien. Il est presque. J'ai un trou à m'essuyer.
Alors, on s'est bien approché comme ça. Toujours prêt. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est ma pelle? Dites-nous ce que nous c'est devons à quelle faire. Profondeur. Comme ça, là, on va avancer. Et on pourra ramener l'anneau d'effroi en la portée. Les douves, vous pouvez compter sur nous. Où allons-nous? On va être trempés. Il m'en reste combien là? Vas-y, je les envoie aussi, 60 derniers. J'ai un trou à m'essuyer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est ma pelle? Waouh, mais c'est quoi tous ces pieux là d'un coup? C'est on y est presque. Ah oui, il y en a un nombre incalculable, moi-même. Ah, on dirait qu'ils peuvent plus tirer ce groupe-là, sur ce groupe-là. Eh, regardez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-nous ce que nous devons faire. On va coller là. Ah, il ne peut rien faire. Oh, attention le tireur. Bon, là, on va essayer de ne pas faire de brèche. Voilà. Attention. Attends, allons-y. Oui, mon seigneur. Quoi? On y va. Ça y est. Normal la vision. Ouais. Vous pouvez compter sur nous. Là, ce que je vais faire, je vais tenter de poser le beffroi là rapidement. Et ensuite, avec mes massiers, je vais déferler avec une partie d'entre eux sur ce secteur pour nettoyer le maximum. Et l'autre moitié, et je vais essayer de la faire passer par l'escalier ici. Et accéder directement au port. En espérant que leur, oui, leurs archers ne fassent pas trop mal. Normalement, non, puisque j'ai des armures en cuir. Bougez-vous, canaille. Là, j'accélère un petit peu, allez, juste tout simplement. On y va. Bougez-vous, canaille. Les tenonniers, je vais les laisser là-haut. Ils vont pas me servir ici. Et j'ai deux beffrois, hein, si vous regardez. Beffrois prêts, sire. Nous sommes spécialistes. Quoi, vous avez besoin massu. Vas-y, je vais les envoyer tous les deux, comme ça au moins je suis sûr s'il y en a un qui canne, le deuxième il aura une chance. Et après je sauvegarderai. Beffrois prêts, sire. Ok, on a posé le beffroi. Alors les échelles, vous allez monter là-haut. Aussi vite que nous le pourrons, sire. Quoi? Oui, patron. Et là? Quoi? Si loin? C'est showtime. Quoi? Si loin? Comme ça, l'autre moitié. Et je vais l'emmener faire le tour par quoi? Ici. Si loin? Allez, on y va, go go go. Beffroi prêt. Et puis au moins elle va activer. Je vais essayer de les faire un peu rendre compte en... Regardez pourquoi je fais ça. Un message de Paul. Et là je vais essayer d'envoyer tout ce groupe là chercher le port directement. Ils ne pourront pas me retenir ici. Ah, c'est passé là, bien. Allez, le port, dégage. Oh, c'est dommage, hein. Victoire. Bon, on a pas la moitié de notre armée, mais on a réussi à éliminer le port, et ça, c'est bien. Après les pertes subies par le port, le loup est le seul obstacle à votre victoire.
Peu après la bataille, vous recevez un message vous indiquant que Sir Longarm et le roi ont conquis un comté de plus, avec modération, resserrant l'étau autour du loup. Voilà, donc on a compris tous les comtés du port après notre victoire. Bon. En vrai, une fois qu'on arrive à... En fait, il faut vraiment prendre son temps au début, comment on... par quel côté on veut passer, il y a le plus de tireurs possible. Et après, une fois que vous êtes à l'intérieur du château, vous envoyez les massiers. Et ça fait le taf, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette mission d'assaut contre le port. On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.